Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On prie, d'accord? Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu œuvres dans la vie, au Dieu de gloire, de toutes ces personnes. Merci pour tout le cœur que tu touches. Merci pour ta promesse en ce lieu. Que ton nom se soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous nous soumettons encore à toi et nous soumettons nos cœurs, notre âme à toi. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Des questions? Bonsoir à Casa. Bonsoir, Frère Junior. Frère Junior. Des questions? S'il n'y a pas de questions, j'en te sais dans les Saintes Écritures. Non. Des questions? On a fini avec les trucs des femmes. On a fini, non? On a balayé les trucs des femmes. On a vu le problème des 10 messieurs, le problème de l'église méthodiste réunie qui pond Zoé. On a parlé de 10, on a parlé de ces choses-là, on a parlé des femmes désobéissantes, des femmes travailleuses, des femmes qui refusent le corps de leur mari, les femmes qui elles laissent le diable entrer dans la maison, les femmes qui portent les talons pour aller prêcher là-bas, c'est pas avant là-bas devant tout ça, on a touché tout ça, n'est-ce pas ma soeur? En fait, moi ma question c'est le rapport de Dieu à la ça se rapporte un peu à la question sur la femme. Elle a sommeil. Elle a sommeil, elle a faim. Oui, ma chère, vas-y. Ma chère, papa, il va faire le bébé. Tu peux ramener la veste. Déjà, demain c'est quand? Vendredi. Il faut qu'on commence demain tôt. Parce que depuis ici, si vous remarquez que je n'ai pas encore touché ma Bible depuis que je suis ici. Donc, il y a des choses dans cette Bible que je dois vous donner. Tout ce que je suis en train de dire là, tout ce que je suis en train de répondre ici, depuis qu'on est entré dans cette vie ici, je prends des vous pour répondre à vos questions. Je n'ai pas donné, c'est pourquoi je suis ici. Je vais donner les grandes lignes qui doivent avoir changement. Bon, il faut que ceci soit déployé pour que quelque chose descende. D'accord? Donc, épuisez vos questions. Il faut que demain on commence tôt. À la lumière de la parole par rapport à la femme qui travaille. Oui. J'ai compris qu'il faut se référer à la femme du proverbe 31. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'est pas normal qu'une femme délaisse sa maison et soit tout le temps dehors. Absolument. Pour chercher de l'argent, alors que Dieu a mis en elle des desseins qui peuvent la rendre. Les projets. Des projets qu'elle peut faire étant le manager de son propre pour projet. Soutenir son mari. Exactement. Voilà. Et puis tenir sa maison, c'est-à-dire elle aura le temps en même temps de travailler, en même temps de s'occuper de sa maison, de son mari, de ses enfants. Exactement. Et elle sera moins fatiguée. Voilà. Parce que est-ce qu'elle gère ses business comme elle veut, n'est-ce pas? Alors que quand tu vends ton temps à une autre personne, à cet instant-là, tu dois te soumettre aux exigences de cette personne. Je deviens esclave là. Exactement. Parce que la quelqu'un est esclave à celui qui lui a vendu. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Non, frère, on se voit plus. Vous pouvez savoir ce que Dieu aime. Parce que la dernière fois, tout à l'heure, j'ai senti une chaleur pas possible. Ouais, le feu. Mais quand le feu. Non, c'est sorti de comme ça là. Oui. C'est sorti comme ça là. On a remarqué à un moment donné, quand il prêchait, il me suis tourné comme ça. Je voulais partir de là-bas, mais je sentais qu'il y avait les flammes là-bas. Donc je me suis dirigé, ça m'a suivi juste dans la chambre. Et quand ça fait comme ça, tout le monde, vous vous déconnectez, on le suit ici. Il dit, c'est pas ici, ça se passe. Vous commencez à suivre comme ça là. Vous dites que c'est quoi? Vous dites que c'est quoi? Vous suivez. Il dit, il y aura changement. Amen. Amen. Il y aura changement. Amen. Il faut des choses qui pour déclencher ceci, pour que ça vienne. D'accord? Amen. Des questions? Non, je n'ai pas de questions. Ok, si ce n'est pas question, donc on rentre, on revient demain, on commence. Non, parce que vous avez deux autres enseignements à écouter, la deuxième partie et la troisième partie. On va écouter la deuxième partie. La deuxième partie et la troisième partie des nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc quand vous allez venir demain, vous venez tôt, vous mettez la deuxième partie, la troisième partie, vous écoutez, après on entre enseigne. Mais tu voulais dire quoi, frère? Qu'on a écouté la deuxième partie. Yeah. Mais il y avait une question. Vous devez écouter ensemble et vous prenez le nom. L'instruction, vous devez suivre l'instruction telle que c'est donnée. Il n'est pas dit que chacun va écouter les deux. Vous devez écouter dans un aspect. Je suis en de vous surveiller. Vous devez suivre. Je viens, vous allez manger le maïs. Vous mangez le maïs, on renvoie. Quand vous finissez de manger le maïs, on s'assoit, vous écoutez. Il faut que vous écoutez. Oui, des questions là? Oui. Tout à l'heure, on était dans l'île de Garnos, là, j'avais une question. Je vous ai dit ce que j'ai vu. J'ai vu les démons avec le Facebook. Prendre les photos des gens sur Facebook, faire des incantations,
venant sur la terre pour les convoquer, pour manipuler la vie de ces personnes sur Facebook. Je n'ai pas dit autre chose. J'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vu et il m'a regardé, il a ri. Oui, mon cher. Moi, j'avais une question dans le livre d'Amos. Au chapitre 9, verset, Amos, chapitre 9, verset 11 et 12. Aimer que les autres trouvent. Amos, combien? Chapitre 9, verset 11 et 12. C'est terrible. Je pose ma question. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en rebâtirai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Amen. Amen. Ma question est sur le verset 12, la partie A précisément, qui dit que afin qu'il possède le reste des hommes et de toutes les nations. Oui. Non. Il faut lire ce que la Bible dit. Quand il trouve les nations, tu t'arrêtes. Lis ce qu'il dit dans ces nations-là. Sur lesquelles mon nom a été invoqué. Alors, donc il faut faire attention. Donc, quand je dis toutes les nations, c'est autre chose. Toutes les nations sur lesquelles le nom a été invoqué. Oui, quelle est ta question? Ma question, parce que quand je lis ça, je comprends qu'il s'agit ici d'Israël. Mais quand il dit. Ils posséderont afin qu'ils possèdent le reste des dons et de toutes les nations. Et comment ils vont posséder? Parce que qui Israël. Lise, afin qu'ils. Afin qu'ils possèdent le reste des dons. Qui doit posséder? Israël. Non, relis encore, remonte plus haut. Afin qu'ils. Non, remonte plus haut. Verset 11. En ce temps-là. Je relèverai de sa chute la maison de David. La maison de David, oui. Continuons. J'en rebâtirai les brèches. Oui. J'en réparerai les ruines. Oui. Et je rebâtirai comme elle était autrefois. Oui, elle, la maison de David. De David. Oui, continue. Afin qu'il possède le reste des dons et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Il c'est qui? La maison de David. Non. Donc, je vais dire elle. Oui. Il donc aimé pour qui? La maison de David. Non. Il aimé pour qui, frère? Il, c'est au pluriel. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on en a parlé. Aujourd'hui, nous avons vu que quelque chose se donne. Il y a des choses qui se répètent. Ce passage est cité dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres est cité, on répète cela parce qu'on dit des prophéties et en Actes des Apôtres, on réfère ceci à qui? C'est cité dans Actes des Apôtres combien, frère? Chapitre 15. Allons-y. Donc tu vois que lorsqu'il y a conférence de Jérusalem, Simon va se lever parler et l'autre va dire que Simon, il dit. Et puis après cela, Jean va se lever, va dire que Simon a raconté comment Dieu a jeté la terre sur les regards sur la terre pour choisir un peuple qui porta son nom. Il avec ça s'accorde avec la parole du prophète. Après cela, dit le Seigneur, il reviendra et il rebâtira la maison de David. Donc il faut bien placer cette écriture dans le contexte. Ils disent clairement que selon ce que dit le prophète, il dit que ceci a été accompli. Que après cela, je viendrai et tu vois cela. Après quoi? Après la venue du Seigneur. C'est sûr. De la fin venue du Seigneur. Après sa première venue, comme il est venu, dans la maison de David doit chuter. Okay. Mais le Seigneur va rebâtir cela, non? Oui. Pour qu'il prenne la possession de ces choses. Dans le pays de Dom, c'est quel pays? Savez-vous que la frontière d'Israël qui est là, ce n'est pas la vraie frontière? Ça, tu l'as déjà dit dans un ancien. C'est moi qui dis. C'est pas, dans la Bible, c'est pas ça, tout pas là-bas. Hein, c'est moi qui dis. Ça, tu reprends. Vous voulez vous amuser, allez dans la Bible, rentrez dans la Genèse où Abraham avait foulé au pied, où il avait parcouru le pays. Vous regardez là où il a parcouru le pays, vous regardez le territoire maintenant. Puis vous entrez dans le livre des Juges, enfin dans le livre de Josué, au chapitre 13.
vous regardez comment la répartition du royaume, l'on donne différentes répartitions, que de telle partie à telle, ça sera pour Neftali, vous Zabulon. Vous regardez le territoire, vous regardez l'histoire que vous avez là-bas. Les gens m'amusent quand ils disent que, oh, Israël a abusé les territoires, on va sortir les embargos contre Israël, ils m'amusent seulement. Il va entrer là-bas jusqu'en Cisjordanie. Il va descendre encore là-bas jusqu'en Égypte, parce que c'est seulement le territoire. C'est ça, frère. La révolution arrive sur la question. Il n'y a même pas encore de problème. Le problème arrive là-bas au Moyen-Orient, à cause de ces frontières-là. En rentrant dans ce qui nous concerne. D'ailleurs, la question ici que David revient là-bas, n'est-ce pas, frère? Voilà. Mais quand il dit qu'il va posséder Edom, on est d'accord que. Bon, quand on tient. Il y a les prophéties sur les musulmans, parce que la Cisjordanie là-bas, avec le territoire de l'homme. Quand il parle d'Edom, souviens-toi qu'ils sont mis en contraste Israël qui est Jacob avec Edom, qui est son frère. N'est-ce pas, frère? Il y a une prophétie dans la Bible contre les musulmans quand le réveil va arriver là-bas. Le réveil va arriver là-bas. La Mecque sera saccagée. La Mecque là, ça sera saccagé. Absolument, ça sera détruit. Dieu va réveiller ses enfants qui se trouvent chez les Édomites. Et si les enfants se retrouvent chez les Édomites, ils ne vont pas menacer Israël, n'est-ce pas, frère? Oui. Donc il y a le réveil qui arrive chez les musulmans. C'est plein dans les Saintes Écritures là-bas. Oui. Il dit c'est plein dans les Saintes Écritures là-bas. Ce rétablissement là où Dieu va venir, il va venir de Bosra, il va sortir là-bas pour faire des choses. Donc en tout cas, ça veut dire que c'est une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Toi tu penses que c'est accompli? Je pensais justement parce que c'est Dieu posait que bon, parce que moi je comprenais que c'est Edom, ils avaient déjà possédé Edom, comme on voit qu'ils appartiennent Edom. Je pensais à Edom qui a c'est le frère de Jésus. Qui est passé depuis là? Oui. Donc tu vois, tu penses que la Cisjordanie là c'est entre les mains d'Israël? Non. Donc, mais voilà Edom là-bas. Et quand il parle aussi le reste des nations, il s'adresse à qui? Le reste des nations sur lesquelles son nom est. Il faut faire attention quand Dieu parle de nations dans la Bible. D'accord. Quand il parle, il dit fais de toutes les nations les disciples. Allez faire de toutes les nations les disciples. Prendre les disciples parmi les nations. D'accord, frère? Nations, quand on parle, la Bible parle des nations, il faut faire attention. Parce que les peuples sur lesquels sont invoqués son nom, le peuple sur lequel est appelé aussi nation. Donc ce n'est pas nation en tant que pays. D'accord? Mais le Seigneur va prendre possession du pays, de tout le monde entier. Livre Apocalypse chapitre 11 là. Souvenez-vous, ce que vous entendez là, Allah, le lieu saint qu'ils appellent en islam, ça sera détruit. Dieu lui-même, c'est Dieu qui va traiter là-bas avec la divinité là. Comme Dieu a jugé le Dieu d'Égypte, ainsi Dieu jugera la Mecque. Dieu va détruire la Mecque. Aussi vrai que tu me regardes comme ça, Dieu dans les yeux en imaginant que ça peut arriver, Dieu va détruire la Mecque. Fendre en deux comme ça là. Et cette pierre là va sauter. On va trouver une raison pour s'expliquer. Vous trouvez raison, hein? Ok. Merci. Verset 11 du chapitre 11, verset 15. Verset 15 de l'Apocalypse, chapitre 11, il est écrit: le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Le royaume du monde est remis au Seigneur et à son Christ. Dieu vient du parent. Il va frapper les tentes de Don, lesquelles se convertiront en lui. Le réveil arrive à la Mecque. Ça va descendre dans toute l'Arabie. Et on va se souvenir de Dieu. Il va descendre là-bas du côté de Bosra. Que Dieu vous bénisse.
مش هرجع للأحزان تاني.